Seigneur, nous bénisse ce chemin. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Merci, Seigneur. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 142, psaume chapitre 142, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 142. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Dieu est bon, alléluia, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon.
Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Moi j'étais perdu, il m'a sauvé. Dieu est bon, il est bon pour moi. Moi j'étais malade, Jésus m'a guéri. Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon. Oh Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Tu es très bon, notre Père, pour nous, mon Sauveur. Nous te remercions vraiment pour ta bonté à notre endroit. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment glorieux, mon Sauveur, pour ce que tu es pour nous, Père Saint-Dieu, et pour ce que tu fais, Seigneur Jésus, et la manière dont tu, vraiment, tu prends soin de chacun de nous, Père, aussi, dans le moindre détail. Seigneur, c'est vrai, tu ne nous as jamais, jamais abandonnés, Seigneur. Tu es là, tu veilles sur chacun de nous, malgré nos difficultés, Seigneur, malgré nos imperfections, mon béni, mes pas tibissants, mais tu veilles pour que nous puissions devenir parfaits, Sauveur. Gloire à toi encore pour ce moment béni, Père Saint-Dieu. Oh, ton amour à notre endroit. Merci, Père. Cela nous touche encore davantage de voir que tu es là, toujours présent, Seigneur. Tu ne nous abandonneras pas, mon béni, Père Saint, parce que nous ne voulons pas que tu nous abandonnes. Sois avec nous, Père, oh Dieu. Conduis-nous encore sur ce chemin que toi-même tu as tracé, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons point d'autre chemin, Seigneur, et ce n'est que toi seul, mon béni, Père Saint-Dieu, qui nous conduira toujours vers le bon port. C'est pourquoi nous voulons nous accrocher à toi, béni, Père Saint-Dieu, à chercher encore davantage ta face, mon Seigneur, pour que nous puissions vraiment, Père Saint-Dieu, recevoir de ta part, oh Dieu, ce que tu attends véritablement de nous, Père Dieu. Avec toi, nous savons que nous ferons tous exploits, mon béni, Père Saint-Dieu. Ah, que tu sois exalté et béni encore ce soir. Merci pour les cantiques, merci aussi pour l'adoration, merci aussi pour ton peuple à toi qui ce soir est là et qui est aussi en connexion à différents endroits, Père, qui soit aussi fortifié davantage par ta présence dans leur vie aussi, Père. Merci encore pour ta bonté à notre endroit et sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu parce que c'est lui qui nous conduit et qui nous fortifie davantage et que, comme l'Écriture le dit, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. C'est cette foi-là que nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir garder, parce que la Bible nous fait savoir que c'est un don qui vient de Dieu. Et ce don ne peut simplement que pouvoir s'accrocher à tout ce qui vient aussi de Dieu. Et c'est pourquoi que la Bible dit que la foi véritable vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole de Dieu. Elle n'est pas dans des théories, non. Elle est effectivement dans la parole de Dieu. Et elle ne peut pas s'accrocher à quelque chose qui est une sorte d'interprétation, parce que là, elle meurt effectivement, mais elle doit vivre. Parce que Dieu nous l'a donnée pour qu'elle puisse continuer à pouvoir demeurer. Et parce que c'est que la Bible nous fait savoir que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce que nous voyons n'a pas été fait par des choses visibles, mais par des choses invisibles, c'est-à-dire que par la parole de Dieu. Et nous, la parole de Dieu est pour nous la chose principale, parce que ce que nous considérons, ce n'est pas surtout ce que nos yeux nous montrent, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et cela, ça dépasse effectivement aussi la capacité de concevoir selon l'homme qui est dans le monde naturel, et que Dieu veut que nous puissions vraiment dépasser le monde naturel de l'homme naturel, et que nous entrons effectivement dans le monde spirituel, dans l'homme spirituel, donc l'homme intérieur, créé selon donc la volonté de Dieu, et par la parole du Seigneur, effectivement, qui, lorsqu'il grandit en nous, effectivement, il est toujours attiré par cette parole, et c'est par cela que, c'est pour ça que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et c'est parce que cet homme intérieur doit être nourri. Et quand il est nourri, alors il constate que, en tout cas, sur cette terre, il n'y a rien qui soit impossible. Peu importe la taille ou la difficulté des choses que nous pouvons arriver à pouvoir rencontrer. C'est pour ça que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir entendre sa parole. C'est parce qu'il veut que nous puissions croître davantage. Plus nous grandissons, c'est comme quand nous sommes des hommes, nous naissons. Et en naissant, nous sommes dans une position où nous sommes dans cette taille, effectivement, où nous sommes encore des enfants. Et là, nous parlons comme un enfant, et effectivement aussi. Mais quand nous grandissons, effectivement, nous comprenons les choses d'une autre manière. Et quand nous regardons même les choses, effectivement, et nous voyons cela d'une autre manière. Ainsi même, dans notre croissance, dans le monde dans lequel nous sommes, on ne peut pas confier des responsabilités à des enfants. On confie des responsabilités à des hommes dont on a vu qu'ils ont l'expérience. Dans ce domaine-là, alors, ils ont la capacité de pouvoir vraiment agir et faire ce qui est conforme pour que la chose dont nous voulons obtenir puisse vraiment aussi être atteinte comme objectif. C'est ainsi aussi avec notre Seigneur. On nous a toujours fait comprendre, et cela est ainsi, que les choses naturelles typifient donc les choses spirituelles. C'est pour ça que nous devons, effectivement, vous savez, déjà, lorsque nous pouvons simplement nous asseoir et observer simplement tout ce que nous pouvons voir, nous disons que c'est un mystère, en fait. L'homme est un mystère. En soi, quand tu t'assis, que tu te regardes, c'est un mystère. Tu ne peux pas vraiment te comprendre. Mais c'est la vérité, ma soeur. Mais tu crois que tu existes. C'est ce qui est merveilleux, en fait. Parce que tout ce que l'homme... C'est pour ça que l'homme ne fait pas vraiment attention. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il y ait la foi quelque part. Tu dois croire que cet avion va m'amener jusqu'à Paris. Mais tu n'es pas encore arrivé à Paris. Mais tu crois que quand je vais le prendre, je vais arriver à Paris. Alors, vous voyez ce que l'homme a été créé pour qu'il puisse croire. Et voyez-vous, c'est tellement extraordinaire que quand nous entrons dans les choses de Dieu, nous remarquons que le Seigneur nous dit une chose dans les Saintes Écritures, et que si nous demandons quelque chose, et que nous croyons vraiment que le Seigneur nous donne et qu'il nous entend, c'est-à-dire nous croyons, c'est-à-dire que tu es sincère et tu es sûr, tu crois, tu es sûr et certain que Dieu te l'a donné. Vous voyez, c'est-à-dire que comme tu prends l'avion, tu dis, je vais arriver à Paris. Tu crois que tu vas arriver à Paris. Tu rentres dans cet avion, tu dis, tu vas pas dire, aïe, oh, je vais pas arriver à Paris, l'avion va tomber. Non, tu crois. Tu es sûr et certain que... Alors ta foi, là, elle te fait vivre, elle te fait aussi supporter des secousses dans l'avion. Non, je vais quand même arriver quelque part. Vous voyez, maintenant, quand nous prenons donc dans les choses qui concernent Dieu, si déjà dans les choses naturelles que nous voyons, et on a des réflexes sans se rendre compte que nous devons avoir la foi pour croire ces choses-là, alors, à combien plus forte raison que la parole de Dieu, qui a la puissance de transformation. Et parce que les avions sont incertains. Mais tu as la foi dans la chose incertaine. Mais la parole de Dieu... Elle est plus que certaine. Alors, quand je réfléchis, je dis, mais c'est sûr et certain que si je crois ça, c'est sûr et certain, ce que je demande, ça va arriver. Que Dieu nous aide pour que nous comprenions effectivement le regard que le Seigneur notre Dieu pose sur nous. Jamais, comme je l'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, jamais le Seigneur ne peut avoir des mauvaises pensées à son droit de son peuple, ni de pouvoir vouloir les mettre dans des conditions pour que ce soit. Jamais. Il nous a toujours dit, souvenez-vous de cela, les projets que j'ai formés pour vous, et ça c'est du plus profond de son cœur, le projet qu'il a formé pour vous, il dit ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Voyez-vous, c'est que si déjà nous pouvons comprendre cela, alors nous comprenons aussi, frères et sœurs, que
Même si nous passons par des moments difficiles dans notre vie et que nous voyons que c'est comme si ça semble que bon, et ça va pas, même la pression. Mais on doit se rendre compte que le Seigneur nous a dit, et dans Romains, que ses pensées à notre endroit sont pour le bonheur. C'est pour ça que nous disons que toute chose, et que nous le croyons du fin fond de notre cœur, sinon on ne serait pas des croyants. Toutes choses, peu importe, que ce soit les biens, que ce soit les difficultés, que ce soit ce que vous avez, toutes choses, sans exception, concourent pour notre. C'est quand nous sommes des enfants de Dieu et que nous voyons toutes choses arriver effectivement autour et parmi nous, effectivement, on doit arriver à pouvoir comprendre, Seigneur, gloire à toi parce que tu existes. Et que tu existes et que tu m'enseignes, moi, avant que je puisse... Oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur, nous ne réalisons pas. C'est pour ça que quand on est un enfant de Dieu, il y a toujours une position à pouvoir adopter. Jamais quand quelque chose arrive, tu dis, Seigneur Jésus, aide-moi à avoir mes yeux fixés sur toi. Constamment sur toi. Ni à gauche, ni à droite. Mais que je marche parce que, aussi longtemps que je continue à marcher, à te regarder, toi, c'est sûr et certain. Vous savez, quand Pierre, je ne vais pas vous attendre longtemps aujourd'hui, quand Pierre a vu cet homme, Galilée, marcher sur l'eau, c'est impossible là. C'est impossible qu'un être humain marche sur l'eau. On peut vous dire tout ce qu'il va faire. Il dit, mais un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Il dit, mais ça doit être un fantôme, parce que pour marcher sur l'eau, il faut être léger. Avec mon poids, je m'enfonce dans l'eau. Puis il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, est-ce que vous comprenez? Amen. Si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Amen, amen. Il lui a seulement regardé et dit, mais viens Pierre. Et vous avez vu, hein? Pierre est sorti. Il a cru à la parole que le Seigneur lui a dit. Amen. Mais il savait bien qu'il était lourd. Hein. Je ne sais pas comment il s'est pesé, 100 ou je ne sais pas combien. Mais il savait très bien. Mais quand il a entendu cette voix, il a cru que s'il m'a dit ça, alors je veux marcher. Amen. Autrement, frère et soeur, il s'est raccroché à la barque. Ah, Seigneur, oui, mais c'est vrai. Non. Il a dit, mais viens, Pierre. Et puis, viens, s'est levé. Il a pris son pied, il a posé sur l'eau. Il a vu que lui, qu'il avait peut-être 120 kilos, je ne sais pas combien. Mais il n'enfonçait pas. Pierre marchait. Pierre marchait, il dit, mais viens, Pierre, viens. Il le regardait, donc aussi en train de le regarder, tout était possible. Amen. Mais c'est au moment où les vagues ont commencé, c'est toujours comme ça les diables. Frère, la Bible dit que ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe de ce monde, mon frère. Peu importe. Mais aussi longtemps que tu as la foi, rien ne peut arriver à pouvoir. C'est vrai, frère, ça. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours de tous. Donc c'est que toi, en tant que fils de Dieu, tu dois glorifier le Seigneur d'avoir fait de toi un fils. Et ça, c'est important que toi et moi, nous comprenions cela, frère. Comme il a fait de nous un fils, fils et fille de Dieu, rien, alors comprenez bien ceci de maintenant, même pour les années, rien dans votre vie ne peut vous vaincre, frère. Comprenez cela, que ça soit gravé en vous, mon frère. Rien dans ce monde. Il nous l'a dit, frère, c'est ça. Il dit, vous aurez des tribulations. Fuyez, non, il ne craignez point. Car moi ici, j'ai vaincu. Voilà. Ce ne sont que de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vrai. Qui peuvent dire, oh, mais c'est frère, mais non. Mais c'est écrit, c'est la vérité. Amen. Il n'y a pas une situation où toi, un fils de Dieu, une fille de Dieu, où tu ne peux pas avoir la victoire. Peu importe, même si ça dure longtemps. Amen. Ce qui compte pour toi, c'est la persévérance de la foi. Amen. C'est la foi, effectivement, qui fait que la chose arrive comme Dieu l'a demandé. Puisque tu crois à la chose. La Bible nous fait savoir effectivement avec Abraham, non? Amen. Oui. Un homme, cet homme-là, un an est passé. 2 ans sont passés. Il dit, mais 3 ans sont passés. 4 ans, 5 ans.
comprenez bien, c'est un être humain, frère. 6 ans passés, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, parmi nous, nous faiblissons. Mais la Bible nous fait comprendre effectivement que il fut fortifié par quoi? Par la foi. Et puis, ayant une pleine conviction. Donc lui, il était sûr et certain que ce que Dieu a promis, ça doit s'accomplir. Même si les événements du monde, le vent, le ceci, le cela, les ouragans montraient le contraire. Parce que c'est à cela que le diable veut toujours tourner nos regards. Mon frère et ma soeur, ne tournez jamais le regard de tout part. Que sur lui simplement. Et allez tourner le regard vers. Comprenez bien, ce n'est pas une comédie, mais c'est la vérité. Dans ta situation, dans le bas-fond que tu peux te trouver, ne perds jamais courage. Parce que si il t'a accordé la grâce qui dans ta vie, tu le connaisses. Amen. Oh non. C'est sûr et certain. Amen, amen. Que cette situation dans laquelle tu te trouves, oui, il le savait. Amen, amen. Donc il a commencé à t'armer déjà. Amen. Tu ne te rendais pas compte. Ah, il t'arme petit à petit parce que tu te trouves dans cette situation. Oui. Maintenant, quand tu es dans le plus bas, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur. Amen. Mais c'est ce que Job avait. Job ne se rendait pas compte que tout au long de sa vie, Dieu l'équipait. C'est Dieu, laissé pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, prends seulement garde. Job ne se rendait pas compte de ce qu'il attendait. Mais Dieu l'équipait parce qu'il aimait Job. Et Job l'aimait, mon frère. Aussi longtemps que toi, tu aimeras Dieu. Mais tout au cas, peu importe les problèmes. Mais quand tu l'aimes, lui t'aimera. Mais il te préparera pour ce que le diable fait. Oui, bien sûr. Si toi et moi nous disons qu'avant que la parole soit sur moi, là, tu la connaissais entièrement. Alléluia. Alors le diable peut-il avoir quelque chose qu'il peut penser pour que Dieu ne fasse pas? Mais Dieu savait. Oui. Dieu, avant même qu'il puisse poser un projet contre toi, oui, Dieu sait. Alléluia. C'est pour ça, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Même si les ciels est assombri, Alléluia, mais il y a le soleil qui brille. Alléluia. Lève-nous, frère, lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci pour la grâce et la miséricorde que tu as nous accorder, mon Seigneur. Notre vie t'appartient, mon roi. Oh Dieu, n'appartient à personne. Aucun démon, aucun esprit impur, aucune chose, mon Père, parce que, oh Dieu, tu as payé véritablement le prix du rachat. Tu as démonté, Père Saint-Dieu. Oh, que tu as dit tout pouvoir de les céder sur la terre. Seigneur, tu as revendiqué par divisant ce peuple, Père, oh Dieu. Les noms de chacun de nous a été. Je te loue, mon Père. Je te rends gloire et honneur, Père Saint-Dieu. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort, nous prions un Dieu qui est vivant. Tu as prouvé, Seigneur Jésus, que tu es venu, oh, que tu as payé le prix, et le rachat a été accompli, mon Père, tu son Dieu. Garde ton peuple, mon roi, que ce peuple soit béni, malgré les difficultés, mon roi. Il est à toi, mon béni, mon Père, son Dieu, et c'est toi qui sanctifie, c'est toi qui prie, mon Dieu, c'est toi qui est irrépréhensible et sans tâche, qui nous envoie. Seigneur, donne-nous encore la foi de continuer encore la marche, Père, oh Dieu, et de persévérer dans ta parole, mon roi, persévérer dans l'amour pour toi, mon Père, mon Dieu, dans la considération, Père, oh Dieu, parce que nous avons la victoire, mon roi, parce que toi, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, tu es la tête qui conduit, mon Père, mon Dieu, et nous sommes ton corps à toi. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi. Merci, Sauveur. Garde ton peuple, mon bien-aimé Seigneur. Soutiens-les, mon Seigneur, bien-aimé Père. Qu'il ne perde pas courage, mais qu'il ait l'assurance que, parce que tu vis, Seigneur, oh, nous le chantons, parce que tu vis, je vis également aussi, mon Seigneur. Oh, mais tu vis éternellement, Père, donc je vivrai éternellement aussi, mon Sauveur. Louange et honneur à toi. Je t'aime, mon Jésus. Sois béni encore ce soir pour ta bonté, pour ton amour, pour tes compassions, pour ce que tu es, Père Saint-Dieu. Alléluia. Oh, tu es vivant. Mon âme te loue et t'exalte et te glorifie. Oh, pour ton éternité, Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Oh, tu es vraiment le Dieu qui règne, mon Seigneur. Et tu es Dieu qui règne. Et tu es le seul Dieu et l'unique, mon roi. Tu as vaincu toutes choses, mon bénévole Seigneur. La maladie, tout ce que tu es. Seigneur, il n'y a rien qui peut dépasser ton peuple, mon roi. Parce que tu es la tête et tu conduis, Seigneur, au Dieu de ton Église. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour la lumière. Et merci pour
tout ce que tu fais pour nous, mon Seigneur. Je t'aime, mon Jésus, et mon âme te glorifie encore. Et nous voulons nous tenir simplement dans les choses que toi tu nous as données, dans les choses que toi tu continues à nous donner, Seigneur. C'est ta parole à toi, mon Sauveur. Et nos cœurs doivent simplement s'humilier et s'accrocher à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ceux qui sont à toi reviendront et reviennent à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et c'est avec cela que tu travailles, parce que tu veux qu'ils soient amenés à la perfection, mon Sauveur, répète. Tu l'as déjà accompli, mon roi. Nous te remercions, Père. Oh Dieu, la marche témoigne que nous l'avons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La foi dans ta parole témoigne que nous l'avons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. C'est lui qui réjouit le cœur de tout un chacun, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le consolateur de l'affligé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as dit, je suis avec lui dans le cœur brisé et contrit. Mon roi, je te loue encore ce soir pour ta grandeur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens ton peuple, mon roi. Que ton amour remplisse nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et que nous puissions aussi aimer nos frères et nos sœurs. Cet amour que tu as déversé aussi dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Tibissant, passe à cela qu'on dira que c'est vrai, Père Tibissant, qu'on connaîtra que nous sommes réellement tes disciples. Béni soit ton Seigneur. Ah, nous voulons marcher avec toi, Père Dieu. Nettoie, récure et sanctifie aussi, bien-aimé Père Tibissant. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte encore en ce jour. Béni, Père Dieu, où tu nous donnes ces instants, Père. Conduis-nous encore, Père. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons être éclairés davantage, mon roi. Nous voulons que nos cœurs soient vraiment nettoyés, récurés. Oh Dieu, attendant que tu puisses vraiment déverser ton esprit, bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, avec ta sémence parole, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Afin que ce cœur, Père Tibissant, qui était déchéché et désert, mon bien-aimé Père Tibissant, avec la rosée, bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu. Fraîche rosée, bien-aimé Père Tibissant. Ta puisse réellement aussi faire verdir aussi, bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, les déserts qui étaient secs, mon bien-aimé Père Tibissant. Nos cœurs asséchés, bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, répand ta fraîche rosée, mon Sauveur. Pour que la sémence puisse davantage pousser, Père. Mon âme te loue encore. Mon âme t'exalte, mon Père. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, l'auteur de la vie que je possède, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, l'auteur de tout ce que je suis, mon Sauveur. Chaque organe, chaque chose que je possède, c'est toi qui l'as créé, mon roi. C'est toi aussi qui peux le faire vivre, mon bien-aimé Père Dieu. Mon âme te loue, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, l'honneur, la victoire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Fortifie ce peuple, Père Dieu, qui se déplace et qui est là aussi en connexion. Dans chaque endroit, bien-aimé Père Tibissant, que les cœurs ne soient pas attristés. Mais fortifie, bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, qu'aucune chose, peu importe la maladie, bien-aimé Père Tibissant, mais oh, que ton peuple ne soit jamais affligé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais qu'il ait courage, qu'il prenne courage. Parce que tu vis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et tu as dit, je tiens les clés de la mort, les de mort, bien-aimé Père Tibissant. Tu contrôles toutes choses, mon roi. Béni sois-tu l'éternel, notre Dieu, notre Sauveur, béni Jésus-Christ, mon roi. À toi la gloire, et ton honneur, la puissance. Oh, je te remercie, Père Dieu, que tu sois élevé, glorifié encore davantage, mon roi. Mon âme te loue et t'exalte encore. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu fais, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es incomparable, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, il n'y a personne qui peut être comparé à toi. Personne. Sois béni. Et sois glorifié, mon Sauveur. Merci. Alléluia. Merci, Sauveur. Nous chanterons les chants des Sions pour ta gloire. Nous glorifierons ton Saint-Nom. Nous le glorifierons à toujours, Père, oh Dieu. Peu importe les circonstances, mon roi. Peu importe ce qui peut arriver, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, notre amour ne pourra jamais changer, Père Saint-Dieu. Et restera toujours fermement attaché à toi. Parce que tu es l'auteur de tout ce que nous avons. Le souffle que nous avons, bien-aimé. Ah, gloire à toi, mon Sauveur. Tout ce que nous permet de pouvoir être vivants, ça vient de toi, mon Seigneur béni. Et la vie, c'est toi qui l'as créée aussi, Père. Béni soit ton nom, Père Saint-Dieu. Et que tu sois glorifié et exalté, mon Sauveur. Merci. Merci, mon Sauveur. Merci pour ce soir. Et continue d'agir encore et remplis nos cœurs, remplis nos âmes. Soutiens et fortifie. Je te remercie
pour la force. Je te remercie pour le soutien. Je te remercie pour le secours, mon roi. Merci aussi pour les portes que tu ouvres, bénémoine, personne du oui, Père. Merci aussi pour les âmes que tu attires encore, que tu vas attirer encore davantage ceux qui sont à toi. Oui, ils viendront encore nombreux. Béni sois-tu, Père. Mon âme te loue encore pour ce soir. Et glorifie encore ton Seigneur. Oui, Père, merci. Merci. Oui, comme David pouvait le dire, toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mon roi. Qu'elle soit, prenne, qu'elle prenne sa place, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que nous puissions t'adorer, nous puissions te célébrer, parce que tu as dit, le vrai adorateur adorera Dieu en esprit et en vérité, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes la grâce d'y être ainsi, Père, pour que notre adoration puisse réellement te parvenir, Père Saint-Dieu. Béni sois-tu, Père Saint-Dieu, et que ton peuple, oh Dieu, qui croit en toi vraiment, Père Saint-Dieu, qui reconnaît ta main puissante, mon bien-aimé Père Dieu, qui transforme encore. Merci parce que tu es tout pour nous, Père. Nous avons confiance, nous avons la persévérance, nous avons aussi la patience. Nous voulons avoir encore plus de patience, plus de persévérance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin de pouvoir attendre dans la foi. Dieu. Merci. Merci. Merci, Saba. Merci, Saba. Tu connais toutes choses, mon roi. Et tu sais tout. Merci. Merci. Notre Père. Notre Dieu et notre Père Céleste. Oui, Père. Je t'en supplie encore, mon Seigneur. Aide-nous encore à avancer, à marcher avec toi. Aide ton peuple, Père Saint-Dieu, qui fléchis, bâtiment, patibissant, Dieu, à pouvoir être réveillé, secoué davantage, mon roi, à revenir, à pouvoir prier, à pouvoir chercher ta face, mon roi. Oh Dieu, ramène-nous, patibissant, comme au jour d'autrefois, ou la soif, comme tu as dit, souviens-toi de ton premier amour. Et à ça, cela, que nous voulons revenir, Père Saint-Dieu, parce que nous avons soif de ces premiers amours, bien-aimé, Père Saint-Dieu, où nous cherchons ta face toute la nuit, c'est vrai. Aidez-nous, bien-aimé, patibissant, le corps s'est affaibli, Père Dieu, mais tu as dit que l'esprit est bien disposé, mon bien-aimé, Patibissant, nous voulons vraiment travailler pour que l'esprit puisse avoir les dessus, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, mon roi. Enseigne-nous et restaure-nous, bénémoine, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions être à oh Dieu, les joies de la couronne comme tu le fais. Béni soit ton Seigneur. Merci. Merci, mon Père. Oui, mon Sauveur béni. Merci, Seigneur. Il n'y en a point, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Il n'y en aura jamais. Parce que tu es vraiment l'incomparable, mon bénémoine, Père. Oui, bénis tes enfants, bénis tes filles, mon bénémoine, Père Dieu. Oh, merci. Réveille encore davantage, mon roi. Oh Dieu, que le Saint-Esprit fasse son travail. Je t'en supplie, mon roi, fasse son œuvre divissant. Oh Dieu, comme au jour de Pentecôte, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Où tu remplissais, bénémoine, Père Saint-Dieu. Où l'Esprit véritable descendait sur les âmes, bénémoine, Père Saint-Dieu. Où la puissance de Dieu les remplissait encore davantage, mon roi. Tu le fais, Seigneur Jésus, oh Dieu. Ôte la peur dans le cœur de tes enfants, bénémoine, Père Tibissant. Mais qu'ils avancent avec assurance, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour recevoir, mon bénémoine, Père Tibissant. Ce que toi, tu as promis. Ce que toi, tu as accompli. Et ce que tu as fait encore comme promis, mon bénémoine, Père Tibissant, Dieu. Nous voulons que la fraise rosée et la pluie descendent, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Que ton peuple y soit. Que ton peuple soit ferme. Que ton peuple croit. Que tu aies fait encore, ton bénémoine, Père Tibissant. Seigneur, nous ne voulons pas l'imitation, mon roi. Nous voulons le véritable, mon bénémoine, Père Tibissant, Dieu. Parce que tu es le Dieu véritable, mon roi. Et tu le veux véritablement, nous. Oui, Père. Que ton nom soit exalté, mon bien-aimé Père. Que ton nom soit élevé, mon roi, bien-aimé Père Tibissant. Parce que par ton esprit, tu agis, bien-aimé Père, oh Dieu. Tu remplis les vases, mon bien-aimé Père. Nous le croyons et nous persévérons. Parce que nous croyons, bien-aimé Père Dieu, que tu le fais, tu le feras et nous le recevons. Oui, sois béni, mon sauveur, béni, oh Dieu. Merci, sauveur. Merci, Père. Gloire et honneur à toi. Parce que tu es vivant, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oh Dieu, tu fais ce que tu as dit dans ta parole à toi. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu l'es, mon bien-aimé Seigneur. Là où nous t'avons fait sortir, bien-aimé Père Tibissant, pardonne-nous, Père. Mais nous voulons que tu reviennes, notre bien-aimé Seigneur. Nous mettrons nos vies en ordre, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons que tu reviennes, mon roi. Viens nous aider, viens nous secourir, parce que si tu n'es pas là, nous ne voyons rien, bien-aimé Père Tibissant. Parce que par ta lumière, nous voyons la lumière, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Reviens, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Et prends contrôle vraiment
davantage, mon roi. Oh, comme au jour d'autrefois, mon bien-aimé Père Tibissant. La flamme, bien-aimé Père Saint-Dieu. La flamme de ton amour dans notre cœur, de ta parole à toi, bien-aimé Père Tibissant. Et que le Saint-Esprit descende, bien-aimé Père Tibissant. Oh, nous chantions les chants des Sion avec allégresse, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es capable, mon roi. Nous ne voulons plus la chair dessus, bien-aimé Père Tibissant. Nous voulons pas seulement toi, Père. Oh Dieu, nous voulons seulement ton esprit, Seigneur, oh Dieu. En chantant par l'esprit, bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu. En priant, bien-aimé Père Tibissant. En se consacrant davantage à toi. Louange et honneur à toi. Oui, Père. Nous voulons se réveiller. Nous voulons cela selon ta parole à toi. Pas selon les hommes, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, pas fabriquer quelque chose. Non, nous voulons que ça vienne simplement comme tu l'as dit, mon sauveur. Nous voulons que nous tous, nous soyons inclus dans ce programme, dans ce plan divin, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et que nos âmes, nos cœurs, nos femmes, nos pensées soient tournées constamment vers toi. Oh, que nos nuits deviennent des nuits où nous pouvons nous mettre à genoux, Père. Oh Dieu, c'est ta face, bien-aimé Père Tout-Puissant, oh Dieu. Oui, mon bien-aimé Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de cette soif, bien-aimé Père Tout-Puissant, qui était dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous voulons que cela revienne, Père Saint-Dieu. Où nos genoux se fléchissent davantage, bien-aimé Père Saint-Dieu. Avec autant d'amour, d'ardeur, bien-aimé Père Saint-Dieu. Où nos faces s'inclinent sur le sol, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Parce que tu étais là présent, mon bien-aimé Père Dieu. Nous t'adorions, nous te cherchions davantage, mon roi. Jour et nuit, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous voyons la victoire, Père Tout-Puissant, se manifester dans notre vie. Dans nos problèmes, dans nos prises de vie, bien-aimé Père Tout-Puissant. La victoire était toujours là, bien-aimé Père Saint-Dieu. Pourquoi nous voulons revenir comme au jour d'autrefois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que tu demeures, comme tu l'as dit, le même hier, aujourd'hui aussi et éternellement, mon sauveur. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Réveille encore et attise encore cette foi et cette soif de pouvoir te chercher. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nous. Nous voulons être des chrétiens de vie, Seigneur, oh Dieu. Consacrés véritablement à toi, en lisant, en écoutant, en cherchant ta face, mais de ne pas tuer sans Dieu. Oh Dieu, les choses de ce monde nous occupons d'une manière pour pouvoir nourrir. Mais les choses principales sont les choses de Dieu, mais de ne pas tuer sans. Nous appartenons à ton royaume. Merci, Sauveur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. De nous récurer, Père. De changer nos cœurs et nos âmes. Merci. Purifier et sanctifier mon sauveur par toi et rempli du Saint-Esprit, mon roi. Nous voulons plus perdre notre temps à des discussions, à simplement multiplier des fins de parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, nous voulons chercher ce qui est important. Nous voulons chercher ta face, mon roi. Nous voulons avoir une vie consacrée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous souvenons, Père Saint-Dieu, dans chaque lieu où nous allons, c'était toi dont nous témoignons les noms, mon bien-aimé Père Tibissant. Dans chaque lieu où nous trouvons, quand nous mangeons, c'est à toi que nous pensons, Seigneur. Nous travaillons, bien sûr, mais nous pensions à toi parce que nous savons que tu allais venir bientôt nous chercher. Oh, nous sommes réellement un peuple qui est un pèlerin, Père Tibissant. Des pèlerins sur la terre, qui sont en pèlerinage, mon bien-aimé Père. Seigneur, nous sommes à toi, Père Dieu. Oh, que ton nom soit béni, Père. Redonne-nous ces jours heureux. Oui, Père, ces jours-là, quand le Saint-Esprit agissait dans nos cœurs et qui faisait son travail, mon bien-aimé Père Tibissant, nous nous inquiétons de rien, mon bien-aimé Père Saint. Nous occupions de rien d'autre, Père Tibissant, qui serait plus principal pour nous. Et ce n'est que de toi, Jésus le Christ, mon roi. Nous t'aimons, mon Père Saint. Gloire à toi. Oh Dieu, un changement profond, Seigneur. Pas superficiel, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Où le cœur et l'âme touchaient davantage, mon roi. Et qu'en rentrant, nous faisons, nous chantons les chants des cieux, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Jésus-Christ, mon roi. Nous te voulons de retour dans nos vies, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Non pas pour un petit temps que nous te laissons à la porte quand nous rentrons à la maison, Père. Mais continuellement, constamment, Seigneur Jésus, oh Dieu. Notre cœur ne brûle pas, tes bons dans nos Père Saint, Dieu. Viens avec nous davantage, mon roi. Et marche avec nous, bien-aimé Père Saint, Dieu. Oh, que nos cœurs soient remplis des choses et des cantiques, bien-aimé Père Tibissant. Fais-le-nous sincèrement, bien-aimé Père Dieu, ne faisant que t'adorer parce que tu as dit que vous êtes des temples du Dieu vivant, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et dans les temples, c'est de mon adoration, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, nous voulons être comme cela, Père. Oh, que nous puissions avoir cet amour pour les âmes, pour les autres, mon roi, qui remplit nos cœurs,
l'amour pour mon frère, l'amour pour ma soeur, et non pas la haine et les mépris, mais les mépris visant, mais cet amour parfait, oh, qui fait que tu prends plaisir à aimer ton frère, à pardonner ton frère, à pardonner ta soeur, et avancer simplement vers l'objectif qui nous a été donné, ou appelé pour, bénémoine, Père Tissant, Dieu, atteindre, Père Tissant, parce que tu as mis cela en nous, mon sauveur, bénémoine, Père, oh Dieu, Père, que rien au monde ne puisse réellement parvenir, tenir dans la patrie, Père, tenir dans la patrie, mais que ton Esprit Saint, par ta parole, tu l'as dit, demandez, vous recevrez. Nous demandons avec foi, Père, que tu viennes encore, bénémoine, Père Tissant, nous ramener, Père Saint-Dieu, à toi, Père Saint-Dieu, que ces ailes, comme tu as dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, nous voulons cet amour, cette soif, mon bénémoine, Père Dieu, d'être à toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, mon roi. Oh, détourne nos yeux de toutes ces choses qui nous font perdre du temps. Oh, Jésus-Christ, mon roi, les démons, les diables ont tellement pollué, Père Tissant, dans les appareils, dans beaucoup de ces îles, pour que nous soyons constamment, oh Dieu, de penser, pas pour prier, mais pour penser, pour regarder à gauche et à droite. C'est la pensement des pensées de ton esprit. Père Tissant, ton Père, mon roi, mais aide-nous encore, Père Tissant, à pouvoir prendre, oh Père Tissant, les dispositions, Père. Aide-nous, Père. Merci. Merci, merci encore. Purifie-nous avec les eaux, Père, nous serons purs, mon roi. Aide-nous. Oh Dieu, ces jours heureux, bénémoine, Père Tissant. Oh, le Saint-Esprit a embrasé ton Père, mon bénémoine, Père Tissant. Père, nous ne voulons pas être comme ces gens qui parlent, mais nous voulons être de ceux-là qui ont l'expérience, mon bénémoine, Père, où le Saint-Esprit vient, prend le contrôle et agit encore davantage, mon roi, et remplit, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, le vrai, la puissance de Jésus, dans un nom, Père Tissant, dans un être vivant, Père Tissant-Dieu, ou qui devient réellement, Père Tissant-Dieu, un fils de Dieu, et vivant la parole de Dieu, mon bénémoine, Père. Louange et honneur à Jésus le Christ, mon sauveur. Oh, remplis-nous encore davantage. Seigneur, remplis mon frère et remplis et pardonne mon bénémoine, Père Tissant. Remplis aussi ma soeur, mon bénémoine, Père Tissant. Et pardonne mon bénémoine, Père Tissant, Dieu. Enlève ce qui l'empêche d'approcher de toi, bénémoine, Père Tissant, Dieu. Aide mon frère, aide ma soeur, mon bénémoine, Père Tissant. Aide le jeune frère, Père Tissant, la jeune soeur aussi, bénémoine, Père, oh Dieu. Seigneur, ne me pas regarder le monde, mon bénémoine, Père Tissant. Ni se regarder à soi, bénémoine, parce que le monde passera aussi, bénémoine, Père Tissant, Dieu. Oh Jésus-Christ, mon roi, que nos pensées soient pures, mon bénémoine Père. Car le Saint-Esprit est là. Et tu fais des grandes choses, mon roi. Que rien ne vienne attrister notre cœur, parce que les choses, les problèmes de ce monde passeront. Ils passeront, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Dans ta présence, il n'y a plus aucun problème, mon roi. Je t'en supplie, mon roi. Tu as dit que c'est vrai que nous aurons des tribulations, beaucoup de choses, mais tu as dit que ne craignez point. Jésus, mon roi, je vais te regarder dans ces domaines-là, bénémoine Père oh Dieu. Sois béni, Père. Pour mon frère et pour ma soeur, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. Oh Dieu, qu'ils soient inclus dans l'alliance bénie, Père du Saint-Dieu. Qu'ils soient, bénémoine Père du Saint-Dieu. Gardés et protégés par toi, mon bénémoine Père du Saint. Louange et honneur à toi. Ce sont les enfants de ton peuple, bénémoine Père du Saint. Ils bénéficient de la protection à toi, bénémoine Père du Saint. Les diables, les démons ne peuvent pas les amener aussi loin, bénémoine Père du Saint. Parce qu'il y a une limite, mon bénémoine Père oh Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Agis, mon bénémoine Père oh Dieu. Nous voulons revenir à toi parce que nous croyons en toi, bénémoine Père oh Dieu. Nous savons que tu es notre vie, bénémoine Père Tissant. Cette raison pour laquelle nous vivons, bénémoine Père, oh Dieu. Seigneur, avec tout ce que nous avons, Père Saint-Dieu, nous l'amenons à toi, mon bénémoine Père. Louange et honneur à toi. Oh, béni sois-tu, éternel, bénémoine Père Saint-Dieu. Exalté soit ton Saint-Nom. Nous voulons que ton esprit vienne, qu'il agisse encore davantage. Oh, qu'il fasse son travail, qu'il fasse son œuvre dans mon frère, aussi dans ma soeur, dans ma jeune soeur et dans mon jeune frère, bénémoine Père Tissant, nos enfants, nos petits-enfants. Louange à toi de ce que tu les tiens et qui viennent prier et chanter en Seigneur, bénémoine Père Tissant. Mon âme te loue, mon bénémoine Père, oh Dieu. Tu cites encore davantage, mon roi, et les ailes dans leur cœur. Je t'en supplie. Le diable n'aura plus le droit, il n'aura plus la possibilité, bénémoine Père Tissant, de le toucher, Seigneur. Qu'il soit gardé, mon bénémoine Père, oh Dieu. Leur âme, leur esprit. Oh Dieu, leur corps aussi, préservé, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu es Dieu, mon roi. Oh, fais-nous vivre, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oui, fais-nous vivre, mon roi. Nous voulons la vie, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Pour toi, nous ne voulons pas vivre pour autre chose, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Fais-nous vivre pour toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que nous soyons, Père Saint-Dieu, les témoins. Les témoignages dans ce monde dans lequel nous vivons, Père. Que les hommes disent que, oh oui, c'est qu'ils ont vu un peuple différent, Seigneur. Nous voulons que tu sois glorifié.
Merci, Sauveur. Tu es parfait, Seigneur. Nous voulons que nos rassemblements aient vraiment un sens. Pas des habitudes, mon Sauveur. Nous voulons que les choses soient différentes. Oh, chaque fois que nous venons, nous te rencontrons. Et nous prenons plaisir à pouvoir te rencontrer. Et chaque fois que nous sortons, nous rentrons, nous disons gloire à toi. Nous as vraiment parlé, tu nous as vraiment soutenu. Oh, tu as changé ma vie. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Viens, notre Père. Tu as tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Viens dans notre vie. Viens au milieu de nos pères. Viens dans l'église. Viens dans l'assemblée. Viens dans mes parties du sang. Viens dans ta maison. Viens dans mes parties du sang, Dieu. En ce temps que nous puissions dire, oui, certainement, tu as fait quelque chose. Merci que je sois venu aujourd'hui. Parce que tu m'as visité aussi, Père, oh Dieu. Louange à toi, Jésus. Le roi, tu es vraiment le merveilleux, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Il n'y a pas de roi au-dessus de toi, mais Père oh Dieu, il n'y a pas de Seigneur en dehors de toi. Tu es le Seigneur. Oh, les dons merveilleux, Père Saint-Dieu, que nous pouvons posséder, Père. La grâce merveilleuse, mon roi, tu es ce don merveilleux. Béni soit Jésus-Christ, mon roi. Merci pour la victoire. Merci pour la guérison. Merci aussi pour la délivrance. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Oh, nous ne regardons pas ce que nous pouvons ressentir. Nous regardons ce qui est en puissance en toi. La capacité de faire dans chacun de nous encore aujourd'hui, Père oh Dieu. Et nous croyons que les lendemains seront différents. Parce que tu nous changes, tu nous transformes dans le Père Tibissant, Dieu. Tu nous nettoies, Père. Que ton peuple soit sanctifié. Oh, mais le Père Tibissant, purifié aussi, mais le Père oh Dieu. Parce que tu es réellement notre Dieu. Merci. Nous croyons. Merci à ce que le Saint-Esprit est là. Oh, que nos pensées soient changées. Oui, pas notre conception des choses. Seulement pure, mon bien-aimé. Je t'en supplie. C'est dans ce domaine-là que je te demande grâce. Bénis, Père. Oh Dieu, que ton peuple soit purifié aussi, Père. Mon âme te loue. Nous le croyons, Père Saint. Bénis nos frères et sœurs partout au Canada, Père Saint-Dieu, en Espagne, en France, maintenant. Oh Dieu, là-bas en Afrique, Père Saint-Dieu, dans tout le pays, dans l'Afrique aussi, Père Saint-Dieu, où ton peuple se rassemble, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Ici aussi en Europe, partout dans tous ces pays, que ton peuple à toi soit fortifié davantage. Merci, merci. Alléluia. Merci. Merci. Merci, Sauveur. Gloire à toi. Honneur à toi. Tu remplis les cieux et la terre. Seigneur, remplis le cœur de ton peuple. Oh Dieu. Aie miséricorde, pitié, mon Sauveur. Et oh, consens à écouter nos prières exaucées, Seigneur. Bénis ta fille, bénis ton peuple, mon Sauveur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. Merci pour ce que tu feras aussi quand nous sortirons de cet endroit, Père. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Oh, Jésus, mon roi, continue le chemin. Continue la marche avec nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, je t'en supplie, mon roi. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas. Mais tu nous conduiras davantage, mon roi. Que ton peuple marche sur ce chemin. Avec toi, malgré les difficultés, mais qu'ils prennent courage, parce que tu vis. Nous vivons également et que nous avons et nous avons toujours la victoire en ton nom, Seigneur. Que tu sois exalté, Père. Béni soit ton nom. Merci. Merci. Merci, merci, notre Dieu. Merci. Merci. Oh, Dieu. Très haut. Merci pour tout, Père Saint. Merci, merci. Ton amour est si grand pour nous. Ton amour est si merveilleux. Nous te remercions, Sauveur. Merci pour ta paix. Merci. Merci effectivement pour ta présence. Apaisante-moi. Oui, Père. Merci, Sauveur. Nous te remercions. Vivant, tu nous as vraiment aimés et tu nous aimes. Seigneur, tu nous as aimés. Tu as témoigné ton amour ici, bas sur la terre. Mourant, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu as vraiment payé les prix et tu as emporté au loin le péché. Et tu es
décidé, tu nous as accordé cette délivrance, mon bénévole Père Saint-Dieu, afin que nous puissions être aussi avec toi. Quelle grâce. Merci. Merci, Père. Merci. Merci, Sauveur. Oui, Père. Merci, Sauveur béni. Tu es roi, tu es le maître, bénévole Père puissant Dieu. Rien ne peut, Père puissant, nous affaiblir, mon roi. Rien nous importe, mais nous t'avons toi. Le plus important, c'est de voir ta voix, mon bénévole Père sans Dieu, dans notre vie. Parce que nous savons que les cieux et la terre passeront, mais ta parole à toi ne passera jamais, Seigneur, ce que tu as fait de nos pères. Nous te remercions encore en ce jour béni, Père. Merci, Père. Merci, mon Père. Gloire, louange et honneur à toi. Nous t'aimons et nous te glorifions. Et nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire. Et chaque jour que nous vivrons, oh Dieu, il ne pourra jamais manquer un jour où nous ne pourrons pas te louer, mon bien-aimé Père Saint, chaque seconde, chaque moment de ma vie, Seigneur Dieu, le souffle que tu m'as donné, je ne manquerai jamais de pouvoir te louer, Père. Parce que tu es vraiment le Dieu que je sers, Seigneur. Bénis ton peuple, que cela soit ainsi aussi pour ceux qui sont à toi. Oh Dieu, qu'à chaque instant, à chaque moment, nos pensées toujours constamment tournées vers toi. Tu es l'auteur de la vie que nous avons, Seigneur. Merci. Prends contrôle de ce que nous sommes. Contrôle de ton peuple qui est dans ces lieux, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, bénévole Père Dieu. Aide-nous, Père Dieu. Merci. Nous voulons revenir, Père Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, certainement, Père. Père, nous importe ce que le monde prend. C'est à partir du monde que ça retourne au monde. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est de pouvoir être à toi et te servir constamment dans nos pensées, constamment dans nos cœurs. Et c'est la vérité, tu l'as dit dans ta parole, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, toute ta pensée, de tout ton être, Seigneur, que mes pensées soient constamment remplies de toi, Père Dieu. Oh, en regardant, en ton âme, regarde vers toi, tu ne penses qu'à toi, Seigneur Jésus. Mon âme, tu loues, Père. Merci, Sauveur. Oh, merci, Père. Mais Jésus-Christ, mon Sauveur, je t'aime, mon Père. Merci, Père. Oh, mon âme, tu loues, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Gloire à toi. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Sauveur. Merci, Père. Gloire à toi. Mon âme t'exalte et t'exaltera toujours. Aide-nous, Père, à pouvoir vraiment te glorifier sincèrement, non pas de l'œuvre personnellement, mais du cœur, mon roi, du fin fond de mon cœur, que je puisse te chanter, à pouvoir te louer, Père. Merci, Père. Merci, merci. Merci. Merci, Sauveur. Gloire à toi et honneur à toi. Merci, mon Père. Merci. Oh, c'est de chaîne. Je le traverserai avec toi. Seigneur, tu domines. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es. Même si les océans se déchaînent. Merci, Père. Je le traverserai avec toi. Gloire à toi, Père. Tu domines le tempête. Oui.
déchaîner, mon roi. L'océan peut se déchaîner, mon roi. Le monde peut se déchaîner, mon maître béni, Père oh Dieu. Alléluia. Oh, nous croyons que tu es le maître. Qui calme la tempête, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Qui fait cesser les combats. Qui éloigne les Covid. Qui éloigne tout choc, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu es une forteresse, mon roi. Un lieu de refuge pour mon âme. Mon bien-aimé Seigneur. Gloire à Jésus, mon Seigneur. L'oiseau honneur à toi. Merci, Sauveur. Oh, béni soit ton Seigneur. Aide-nous à marcher. La tête est haute, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À tourner le regard vers toi. À lever la tête vers toi, mon bien-aimé Père. Oh, parce que tu as vaincu, mon roi. Comme tu as dit à Moïse. Oh, tourner le regard, certainement, c'est vrai, Père. Louange à toi. Oh, comme le serment est élevé. Mais la fille l'homme sera aussi élevé. Gloire à toi. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Tu nous as donné la paix, mon bien-aimé Père. Tu dis ça. Tu as dit que la paix soit avec vous. Peu importe l'état de la maladie. Tu as dit que la paix soit avec vous. L'assurance nous est donnée par ta parole, mon roi. Béni soit Jésus, mon roi. Merci, Sauveur. La délivrance viendra. Oh, la délivrance est là, mon bénémoine Père Saint-Dieu. La grâce nous a dominé, mais tu as donné, bénémoine Père Divissant. Nous le croyons, mon roi. Nous ne sommes pas des inquiétudes, mon bénémoine Père. Donne la foi pour croire en toi. Élève ma soeur, élève mon frère, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et soutiens-nous, Père. Dans ta grande bonté. Merci, mon Père. Oh. Merci. Oh, nous sommes assurés. Nous sommes vraiment tranquilles, mon roi. Nous sommes en paix. Je te remercie, mon Seigneur, pour tous nos problèmes. Oui, Père. Oh, tu vas. Tu vas agir, mon bénémoine Père, dis son Dieu. Afin que tout soit restitué, bénémoine Père. Les dons, la foi, bénémoine Père, dis son Dieu. L'amour. Oui, Père, que tout soit restitué. Tu es Dieu, mon roi. La puissance à l'église, mon bénémoine Père. Ah, nous voulons nous tenir humblement devant toi. Nous ne voulons pas faire des choses. Nous voulons simplement nous tenir humblement devant toi. Et faire de nous un peuple qui te sert, mon roi. Dans l'humilité, dans ta façon de voir faire les choses, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous n'avons que toi, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons que toi, tu sois aussi dans la joie de nous voir tel que tu veux que nous soyons. Merci. Merci, Sauveur. Et ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté à ta façon de faire les choses. Merci. 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 Merci pour ce jour que tu nous as donné, mon bénémoine Père Dieu. Merci pour l'amour que je t'aime, mon Jésus. De tout mon cœur, tu ne sais pas. Sois béni, sois exalté. Pardonne-moi, soutiens, Seigneur. Que ton peuple soit pardonné, Seigneur. Que ton peuple trouve grâce devant ta face et t'en supplie. Que la vie de Christ soit remplie, bénémoine Père Tout-Puissant. Soit ramenée, ramenée aussi dans le cœur, Père Dieu. Soutiens ma soeur âgée, comme ma soeur aussi, Père Tout-Puissant, moins âgée. Nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, nos enfants, nos petits-enfants, mon bénémoine Père Dieu. Aide-nous encore au verset. Le bébé, comme les grands, bénémoine Père Tout-Puissant. Tous ceux qui sont là, bénémoine Père Saint-Dieu, ceux qui sont aussi en connexion, chercher à la maison, les différents endroits. Oh Dieu, qui aussi ressent ta présence aussi dans leur maison. Parmi les bénémoines Père Tout-Puissant, que leur maison soit bénie, aussi que leurs enfants aussi soient bénis, tous ceux qui ont, que la paix soit dans leur maison aussi, bénémoines, là où il y a des troubles, Père, entre dans ces maisons, bénémoines Père Tout-Puissant, que la paix soit, que l'amour soit dans le cœur, bénémoines Père Tout-Puissant, que l'animosité ne soit plus, bénémoines Père oh Dieu, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, là où ils sont, bénémoines Père Tout-Puissant, Dieu, il n'y ait plus d'inimitié, bénémoines Père Tout-Puissant, oh mais que la paix soit dans leur cœur, mon roi, nous te remercions, bien sûr. Merci pour ma soeur Véronique. Merci pour mon frère. Soutiens ta fille. Soutiens ton peuple, mon roi. Oh, tes enfants ont besoin de toi, mon sauveur. Merci pour ce que tu fais.
accorde-la la grâce de pouvoir bénéficier de la paix dans sa maison, Père. Merci. Oui, Père, tu es roi. Tu es notre Dieu. Nous te remercions. Oh Jésus. Donne-nous d'être vrai, d'être sincère devant toi, parce que tu sondes nos cœurs. Elle aura maintenant Père sans Dieu. Je t'en suis. Merci. Oui, je te remercie. Merci. 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 Merci, Sauveur. Merci. Merci, Sauveur. Merci. 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 Merci, Père. Nous te remercions. C'est ce que nous aimons, Père, ce que nous désirons. Que tu viennes, que tu remplisses encore le cœur, Père Dieu. Oh, que le Saint-Esprit qui vit puisse agir et parler aussi, bénémoine Père, et conduire encore ton peuple. Oui, tu es merveilleux, Père. Béni sois-tu, mon roi. Merci, Père, que tu le fais, que tu puisses le faire, mon roi. Nos vies changent. Tu as dit que tu ôteras les cœurs de pierre, tu nous donneras un cœur de chair, pour que ton esprit puisse entrer, Seigneur. Merci. Amen. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci. Merci. Amen. Merci. Gloire à toi. Tout un chacun de nous, Père, soit touché par ta présence, mon roi. Oh Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui nous visite encore, le Dieu qui nous accorde la grâce. Merci parce que tu es vivant, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Manifeste cette grâce, tu le fais. Oui, Père, gloire à toi. Mon âme te loue, Père Dieu. Ta présence, elle est là, elle est palpable, mon roi. Et je t'en suis vraiment reconnaissant, mon Seigneur. Oh Dieu, nous t'invoquons, nous t'avons demandé, nous t'avons prié. Tu n'as pas manqué au rendez-vous, bien aimé Père Saint-Dieu. Je te remercie. Gloire et honneur à toi, Jésus-Christ, mon roi. Oui, Père, que tu remplisses chaque cœur, que tu remplisses chaque âme. Mes jeunes sœurs, mon bien-aimé Père Dieu. Mes jeunes frères aussi, bien aimé Père du Saint. Il n'y a aucun cœur qui soit sec en cet endroit. Mais qu'il soit vraiment un cœur de chair, mon bien-aimé Père Dieu. Touche le cœur encore davantage, mon roi. Oh Dieu, que chacun, bien aimé Père, qui est à toi, bien aimé Père Dieu. Seigneur, qu'il soit vraiment touché, Père, par ta présence, mon roi. Et qu'en sortant de cet endroit, les choses ne soient plus jamais les mêmes. Merci. Merci. Oh oui, Père. Je t'en soumets. Merci. Merci. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Merci. C'est le cœur trempé, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Merci. 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 Tu remplis vraiment. Merci, Seigneur. Fais de même. Souviens-toi de mon frère. Oh Dieu qui se pose des questions. Que ton âme soit vraiment touchée par toi. Qu'il ait la paix, béni, mon Père Dieu. Et qu'il réalise que tu es vivant. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout Père. Louange à toi. Tu travailles. Seigneur, touche le cœur en avant. Le cœur qui est endurci, qui soit brisé. Au nom de Jésus, oui, Père. Touche le cœur. Visite encore chacun, mon béni, mon Père. Mon frère et ma soeur, mes jeunes frères et jeunes soeurs. Oui, Père. Tu es vraiment vivant, mon Seigneur. Je te remercie parce que tu es le Dieu, tu le fais. Tu es capable, tu le fais. Ta capacité nous montre que tu fais toutes choses. Agis, Père. Et saisis chacun, mon béni, mon Père, oh Dieu. Oh, que mon frère puisse réellement réaliser que tu es vivant, mon béni, mon Père, c'est oh Dieu. Que tu es vraiment le Dieu qui opère encore des premiers miracles dans la vie de quelqu'un. Oh Dieu, en autant ce qui est impur, mon Père, en autant ce qui est mauvais, mais en purifiant, en sanctifiant aussi, mon Père, oh Dieu. En mettant la louange sur nos lèvres, mon Père, parce que tu es réellement le Dieu vivant, mon Sauveur. Oui, mon âme te loue encore ce soir. Sois béni, Père, c'est oh Dieu. Oui, glorifie ton nom, mon Père, Tubissant. Il est glorifié, mon Seigneur. Merci pour tout, Père. Merci. Oh, merci, Sauveur béni. Oh, Jésus. C'est toi. Merci. C'est toi. Oui, tu nettoies l'intérieur, mon béni, mon Père, Dieu. Oh, fais sortir le meilleur, mon béni, mon Père, Saint-Dieu, à la face de nous. Merci pour ce que tu fais. Merci.
Merci, Sauveur. Oh, c'est cette vie que nous voulons. C'est cette grâce. Nous avons besoin de toi. Merci. Revenir, Père Dieu. Oh, à chercher ta face constamment. Dans la maison, Père Dieu. Que ton peuple croit. Que réellement la guérison, il l'a. Il l'a obtenu. Qu'il ne voit que cette guérison. Pas la maladie, pas les douleurs, mais qu'il voit la guérison que tu lui as accordée. Vois la délivrance que tu lui as accordée. Jamais te plaindre que je ne suis pas bien. Mais c'est glorifier ton nom. Parce que comme la tsunamite disait, tout va bien, mon sauveur. Merci, sauveur. Merci. Gloire à toi. Je t'aime, mon Jésus. Merci. C'est pour toi que je vis. C'est pour toi que je vivrai. Gloire à toi. Merci. Père, nous embrasse, mon sauveur. C'est toi qui nous aime. Merci, Père. Merci, merci. Merci, Sauveur. Pour mon cœur, pour mon âme, bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour la vie que tu as placée dans chacun de nous, Père Dieu. Mon cœur ne peut plus s'attacher aux choses du monde. Pourquoi s'endurcir et vouloir simplement que les choses soient ainsi comme le cœur le demande? Je voudrais te demander grâce. Pour mes frères, mes jeunes sœurs qui ont des difficultés, Père, pour que leur cœur soit vraiment ouvert et brisé davantage, mon roi, dont le monde s'attache encore et qu'ils cherchent encore à plaire en fait le monde par des choses inutiles. Je te demande grâce de briser leur cœur, mon roi, parce qu'ils sont à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ici où nous sommes, il n'y a pas le monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il n'y a que toi, mon bien-aimé Père. Ils ne viennent pas pour pouvoir chercher le monde ici, mais ils viennent pour pouvoir t'avoir, Père. Puisses-tu les aider, Père Saint-Dieu, pour que leur cœur, davantage, mon roi, comprenne que tu es capable de pouvoir, Père Tout-Puissant, agir encore puissamment, Père. Tu es le Dieu qui le fait. Je te remercie parce que, Seigneur, que la sanctification, que la pureté, bénémoine, Père Tout-Puissant, soit vraiment dans leurs pensées, leur cœur, leur subconscient, de même les jeunes frères, mon bénémoine, Père Tout-Puissant, Dieu. Cela soit ainsi, mon bénémoine, Père Tout-Puissant. Mon Dieu, le monde a tellement pris des places, mais que toi, tu puisses davantage sanctifier, briser chacun, mon bénémoine, Père Tout-Puissant. Qui prennent conscience de ta grandeur, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, de l'amour que tu es. Sois béni pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange à toi, mon bien-aimé Père. Oh, tu es réellement le Dieu qui agit encore et qui accomplit des merveilles, Père. Pour mon frère, pour ma soeur, mes soeurs âgées, mes soeurs aussi, mon bien-aimé Père, et mes frères qui sont ici. Seigneur, que ce ne soit pas une habitude, mais qu'ils aient cette joie de venir, de désirer toujours, Père, que les mensonges soient ôtés, bénémoine Père Tout-Puissant, que les critiques, Père Tout-Puissant, soient ôtées, que la langue qui parle mal soit ôtée, bénémoine Père Saint-Dieu, mais que tout soit purifié et sanctifié, que ce qui doit sortir de notre cœur soit simplement la bénédiction, mon roi, que nous aimions nos frères, que nous aimons nos soeurs, nous aimons les enfants. C'est vrai, Seigneur, dans cet amour divin, comme au jour d'autrefois, Seigneur, où nous nous aimons tellement, il n'y avait pas de langue qui pouvait parler du mal de l'un comme l'autre, mais simplement nous bénissons, Seigneur, que tu nous aides encore, Père Saint-Dieu. Souviens-toi de nos pères, dans ta grande miséricorde, dans ta grâce. Tu renouvelles encore davantage, mon roi. Je t'en supplie, sois béni et sois glorifié pour ce que tu es. Merci pour tout. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, je n'ai rien d'autre que ton âme. Acheté par le sang de Jésus, peu importe c'est que ton amour en victorieux qui peut s'élever, qui peut et qu'il arrive.
de sa foi, la grâce prend la relève. Amour, où es-tu dans nos cœurs pendant que le diable sème la haine? Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible? L'amour est incomparable, amour. Dieu, il est amour, et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, oublie, parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu. Les faiblesses de l'autre, l'amour c'est Dieu. L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il vit sa l'eau, l'amour, c'est Dieu.